Eh bien bonjour les amis, c'est CourageTuba et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Frozenia. Alors là, cette fois-ci, vous voyez que j'ai une épée en ice dans les mains. Est-ce que celle-ci est vraie? Eh bah oui, elle est vraie. C'est une vraie épée enchantée Sharpness 5 Knockback 2 Fire Aspect 2 Looting 3 et Unbreaking 3 en ice. Et oui, je me suis acheté une épée en ice. Alors maintenant, je ne suis plus que à 88$, alors qu'avant j'étais aux alentours de 450 à peu près. Donc cette épée, je crois, je l'ai achetée 350. Donc en fait, moi, j'ai fait en faisant mes calculs, 350$, c'est le prix de juste un ice entier. Donc franchement, j'ai fait une bonne affaire parce que c'était moitié prix sans les enchantements, sans le prix des enchantements. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez, l'épisode dernier, c'était vraiment le mauvais, genre tout se passait mal, vous voyez. Et ben aujourd'hui, c'est un peu tout le contraire en fait. J'ai une épée en ice, j'ai toujours pas mal de monnaie. 88$, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Et aussi, dans mon Under Chest, voilà, j'ai 35 frags d'ice. Bon, alors il y a eu un autre petit problème aussi que j'ai eu, c'est que j'avais normalement plus une quarantaine, peut-être même une cinquantaine de blocs d'émeraude avant dans mon Ender Chest. Et juste parce que j'étais en train de récupérer les blocs pour les échanger en frag d'ice. Et je me fais kick du serveur à cause d'un ping alerte. Et les blocs d'ice ont et les frags d'ice et les je me reprends et les blocs d'émeraude ont complètement disparu. Voilà, je ne sais plus où ils étaient. Au lieu d'en avoir une quarantaine dans mon inventaire, j'en avais deux. Voilà. Donc c'est génial. Mais aujourd'hui là maintenant j'ai un bon truc à faire. Oui, je vous ai montré que j'avais quand même 35 frags d'ice. Et donc ça fait 5 ice entier. Avec 5 ice entiers, on peut faire quoi? On peut faire des bottes en ice. Mais mieux, on peut faire un casque en ice. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, j'ai le magnifique casque en ice. Ah, c'est trop stylé. Bon, alors là, il y a un petit problème, c'est qu'il n'est pas enchanté. On va peut-être pas marcher là-dessus. Mais j'ai exactement ce qu'il faut. J'ai un livre P4, donc je vais aller près de la forge. Normalement, elle est pas loin. J'espère que je me suis pas trompé de sens. Et non, c'est bon, c'est bon. Et donc, on va aller enchanter ce petit casque en ice tout de suite. Voilà. J'ai juste fait un bruit bizarre en tombant, c'est pas grave. Donc, on va. Oui, faut que je retire mon casque en ice de ma tête. Et là. Et j'ai pas assez de level, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on va aller récupérer mes levels dans mon Under Chest. Alors, ça, j'ai oublié en fait. Voilà. Voilà. Un beau petit casque en ice P4. Alors, c'est pas. Il manque le petit U3. Hein. Attendez, je vais mettre ma meilleure armure là. On va se mettre full mercure avec casque en ice. Voilà, je cherchais. Et là, on va aller au spawn et on va se promener comme ça. Attendez, regardez. Regardez ce que je vais faire. Regardez comment je suis là. Souvent, de toute façon, quand on se promène avec un truc en ice au spawn, les gens, ils nous regardent. Hein. Ils vont, waouh, il a de l'ice, c'est incroyable. Bon, là, je sais pas, ils regardent pas, mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, c'est pas grave. Alors, normalement, je crois que j'ai une petite clé hebdomadaire. Non, dans 4 heures. Bon, voilà. Non, je vous ferai la clé hebdomadaire à la fin de l'épisode. Voilà, le temps que. Voilà. À la fin de l'épisode, je vous ferai l'ouverture de la clé hebdomadaire. Et donc là, en fait, je vais poser tout ça et on se retrouve dans ma base. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, donc là, on est dans ma base. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais voilà, là, juste, j'ai pas besoin de... Mais ouais, je disais, je ne sais pas si vous l'aviez vu, j'avais mis une petite photo sur mon serveur Discord. Et donc, bah voilà, là vous pouvez la voir, voilà, c'est super, c'est génial. Voilà, donc elle n'est pas terminée, hein. Il y a déjà pour l'instant, si c'est une base, si c'est une BP, on s'en rend pas trop compte, hein. Là on dirait plutôt une base déco, pas très bien déco, hein. Parce que là il y a juste un coffre, et dedans on a des blocs de décoration, c'est tout. Voilà, donc
Donc voilà. Là j'ai, en fait, je vais faire l'endroit où il y aura vraiment tous les coffres, où ce sera assez stylé, ce sera en dessous. Bah, il va falloir que je m'y mette un petit peu là maintenant. Je sais pas si ça vous intéresse, je vais couper la partie avec la construction. Je vous dis à tout de suite. Les amis, voilà, donc là je viens de terminer la construction de ma BP, voilà. Pour l'instant là vous voyez pas grand-chose, c'est normal, c'est en dessous. De cet écran là vous pouvez distinguer quelques petites choses, mais bon, voilà, vous inquiétez pas, hein, je vais vous le montrer juste après, mais avant j'ai un mur à vous montrer, voilà. Donc le mur des objectifs. Dans mes objectifs, c'est mes objectifs que j'essaierai bien sûr d'avoir avant d'arrêter Frozenia. J'ai un truc à vous dire après pour après Frozenia. Voilà. Je dis pas plus pour l'instant. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Voilà. Dans les objectifs, on a avoir un full ice. Full ice, hein, pour moi, c'est armure, donc du casque aux bottes, en passant par le plastron et les jambières, avec l'épée. Pour l'instant, on est pas mal, on a déjà une épée et un casque. Voilà. On est bien, juste on est bien. Voilà. Après, j'ai avoir un avant-poste stylé. Ça, vous verrez aussi après, mais avoir un avant-poste déjà, ce sera bien. Et stylé, c'est après. Voilà. Et après, faire partie du slash ball top. Alors le ball top c'est quoi? Je vais vous montrer, hein, si je fais slash ball top, ça met classement des 9508 soldes. Et en fait ça nous montre ça nous montre le classement des joueurs les plus riches. Voilà. On voit que le premier c'est Thor avec 22 600 dollars. Voilà. Je suis très loin, très très loin d'être premier, mais j'ai dit faire partie du ball top. Pas être premier du ball top, juste en faire partie. Voilà. En fait, ça veut dire être minimum être 8e. Bon, pour l'instant, le minimum, il est quand même à 3 400. Voilà. C'est pas rien, surtout quand on sait que moi, j'ai que 114 dollars. Voilà. Et bien sûr que je pense que la plupart de ces gens-là qui sont dans le classement, ils ont un full ice déjà. Voilà. Voilà. On va devoir bien, bien farmer. Bon, là, le truc, je pense que vous attendez quand même pas mal, c'est de voir à la base, en fait, en dessous. Là, on voit du netrack, hein, ça peut vous donner un petit peu déjà une idée du style de la base. On va descendre comme ça, puisque la plupart des choses vont être derrière, dans mon dos. Et voilà, on y va, hop, on descend. Et voilà la base. Voilà. Alors là, vous allez me dire, attends, tu nous as dit c'est une BP. Tu nous as dit tu veux faire une BP pour mettre des coffres. Mais où sont tes coffres? Ils sont cachés. Ils sont cachés où? Ils sont cachés. Ils sont cachés derrière la lave. Voilà. En fait, derrière chaque truc de lave, on a deux coffres. Je sais pas, ouais, si je peux. Je vais vous montrer, voilà. Voilà, derrière, en fait, chaque coffre, on a enfin, derrière chaque truc de lave, en fait, on a un coffre. Pour l'instant, ils sont pas remplis, mais vous inquiétez pas, je vais les remplir juste après. Enfin, après, plus tard, voilà, dans le futur. Voilà. Pour l'instant, franchement, on va remettre ça, on va remettre le petit bout de lave, voilà. Franchement, moi, je suis plutôt content, je trouve qu'elle est sympathique, qu'elle est belle, voilà. Voilà. Voilà, la décoration, j'ai mis des blocs de redstone par terre, juste pour le centre, un peu comme au-dessus, comme j'essaie de faire un petit peu symétrique, hein, on a un centre. Après, on a des briques du Nether rouge, il me semble, enfin, je me souviens plus du nom. Ce serait bien aussi que j'arrête de brûler, parce que là c'est un petit peu embêtant. Allez. C'est parce que je bug beaucoup là. Allez, celui-là récupère la pierre, là j'ai pas grand chose à faire. Merci. C'est une nether brick, voilà, je me suis embêté pour rien. On a de la nether brick, et juste après c'est du netrack. Et après on a encore de la nether brick, et après on arrive encore sur du netrack. C'est juste parce que pour faire style nether, il y a pas grand chose, hein. Et en plus voilà, c'est bon, il n'y a pas grand chose pour faire style Nether, et je me suis fait kick du serveur pour ping alert, voilà, ping alert, parce que c'est pour ping alert.
Donc on va voilà, et j'ai aussi mis du quartz maintenant dans tous les trucs d'eau, parce que au début les trucs, enfin les, j'ai pas comment, en fait je sais pas comment appeler les cascades d'eau, enfin c'est pas des cascades mais bon, les coulées, voilà, coulées d'eau, coulées de lave, voilà. Et donc derrière ces coulées d'eau, et ben j'ai mis du quartz en haut et en bas, parce qu'au début c'était de la stone et c'était pas très joli. Donc j'ai encore au moins deux choses à vous montrer, les amis, voilà. Donc on est de retour, et donc cet endroit, je sais même pas, enfin, mais si vous êtes là depuis un petit peu de temps, vous devez savoir quel lieu c'est. C'est mon AP, voilà, sur le FMAP, l'AP de courage, je suis pas de l'AP de la Caranium, et oui. Donc j'ai récupéré mon AP qui avait été surclaim par la Earthbrack, voilà. Et franchement, moi je viens de la récupérer là aujourd'hui, et franchement c'est super. Enfin franchement, depuis le, enfin ça faisait depuis je sais pas, depuis peut-être 2 3 semaines, peut-être pas, mais au moins 2 semaines qui me l'avait pris. Et franchement, à un moment, je me suis dit, ah, j'ai plus rien à faire, enfin, je sais plus quoi faire. Et franchement, à un moment, je me suis dit, je vais arrêter Frozenia. Et maintenant que j'ai récupéré mon AP, et bah, plus du tout, maintenant, voilà, je suis content, et voilà, c'est super. La Earthblack, je les remercie. Ils ont pas trop avancé sur cet endroit-là de l'AP, mais déjà, hop, on va essayer d'avancer. Voilà, déjà, ils ont fait une belle salle ici, c'est très stylé, voilà. Fait une petite salle qui est assez stylée. Alors j'ai vérifié tous les coffres, ils avaient pas laissé de stuff, ou alors c'était stuff vraiment très nul, hein. Voilà, et voilà. Donc là je viens de voir que mon ami Eragon est mort. Super. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait, il est peut-être tombé là, je ne sais pas, bon pas très grave. Donc voilà, donc ils ont fait cette zone là, et le mieux, enfin, je sais pas, je pense que c'est eux, que c'était pas mon ami Eragon, mais je pense que c'est la faction. Ils ont rempli tous les murs. Et oui, ils ont mis, aïe, attention, ils ont rempli tous les murs d'obsidienne de l'endroit où nous on avait fini jusque là-haut. Voilà. Donc, enfin, jusque là, voilà. Et franchement, ça représente quand même, je dirais, waouh, y a rien du tout, mais bon, ça représente quand même environ 2 stacks d'obsidienne. Voilà, deux stacks, c'est pas rien. Voilà. Donc, merci à eux d'avoir rempli la paix. Mais on les remercie pas pour m'avoir pris la paix. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va aller au spawn. Et je vous dis à tout de suite. Les amis, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai même 2 questions à vous poser. Et donc maintenant, dans les vidéos Frozenia, je vais essayer de faire ça, de mettre des questions dans les vidéos. Donc là j'en ai deux, j'en ai particulièrement deux. En fait ce sera des questions où vous pourrez répondre aux questions avec un sondage qui sera normalement, j'espère si je l'oublie pas, hein, espérons que je l'oublie pas, qui sera normalement en haut à droite. Vous cliquez dessus et puis il y aura une question avec différentes propositions. Vous n'aurez pas besoin de mettre un commentaire, vous aurez juste besoin de cliquer sur la proposition qui vous intéresse et que vous voulez me dire en fait. Et comme ça, moi, je pourrais savoir. Donc, c'est pour ça que là, j'ai 2 questions. Si vous suivez mon Discord, vous savez que, si vous le suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà commencé à créer un serveur et que j'aimerais bien l'ouvrir, enfin définitivement, définitivement, pas vraiment, mais l'ouvrir à tout le monde. Pour faites un peu le final du serveur, j'ai besoin de savoir une chose. Quel type de serveur en fait vous voulez? Moi j'ai deux possibilités, enfin j'ai 2 idées en tête, mais si vous en avez d'autres et que je trouve ça en fait super, voilà. Bon, si je trouve ça bien, je les prendrai en compte, et pourquoi pas avoir un serveur comme vous m'aurez proposé. Mais bon, là moi mes 2 possibilités, c'est soit un serveur en survie, alors en survie 1.13, donc en 1.13.2, donc là pour l'instant la dernière version de Minecraft. Donc bien sûr, sur mon serveur, il y aura plein de plugins et tout ça qui feront qu'en fait l'aventure ne sera pas simplement Vanilla, mais avec un peu plus de nouveautés en fait, pour pas que ce soit une survie classique. Donc voilà. Ou alors un serveur PvP faction comme Frozenia, comme plein d'autres serveurs.
Et pareil, il y aura des plugins et donc ça rendra pareil l'aventure un peu différente. Mais le truc, c'est que j'ai besoin de votre avis pour savoir bah, qu'est-ce que vous préférez, parce que ce serait bien bah, qu'on soit d'accord. Voyez. Alors, je ne sais pour l'instant, je ne sais pas si mon serveur sera ouvert au crack. Au début, c'est sûr que non. Dans le futur, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà. Et donc voilà, donc vous avez normalement le petit sondage qui apparaît maintenant en haut à droite avec trois propositions, soit serveur survie 1.13, soit serveur PVP faction, soit autre, et si c'est autre, vous mettez dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, et donc là on va passer à la deuxième question, c'est vous, si vous suivez si vous suivez un petit peu les actualités de serveur PVP faction. Comme Palladium, voilà, voilà, je voulais pas le dire, mais bon, je l'ai dit quand même. Voilà, si vous suivez Palladium, vous savez que la V6 va bientôt arriver, et donc j'aimerais savoir si ça vous intéresserait d'avoir une série, mini-série, je ne sais pas, série bonus sur Palladium V6, donc. Comme ça, on reprendrait tout depuis le début, tout le monde reprendrait tout depuis le début, et comme ça, moi, je pourrais bien farmer tout ça pour pareil. Des objectifs et tout ça, des pillages, ce serait vraiment sympathique. Donc là, pareil, sondage en haut à droite. Est-ce que vous êtes intéressé pour voir une série sur le serveur PVP faction modé de Palladium? Donc j'en ai déjà fait, j'ai déjà dû faire deux ou trois vidéos, mais franchement, voilà, j'avais vraiment envie de repartir sur une nouvelle version. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, pareil, si Palladium V6 vous intéresse, donc je vous laisse répondre. Et donc voilà. J'ai un autre petit truc à vous dire, les amis. Si vous regardez, je ne sais pas si vous le regardez, mais si vous regardez mon nombre d'abonnés parfois, vous voyez qu'il augmente. Ça, c'est grâce à vous, déjà, c'est grâce à vous qu'il augmente. Et on a atteint les 30 abonnés. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Moi franchement, je suis vraiment très content d'avoir atteint ce nombre, parce que déjà, moi, quand j'ai commencé, déjà, je ne pensais pas. Déjà atteindre les 20 abonnés, et on l'a fait, mais enfin voilà, en très peu de temps, on a doublé mon nombre d'abonnés, et donc ça, je vous en remercie vraiment. Et donc, pour vous remercier encore mieux, je vais faire un petit giveaway. Donc, c'est un mini don pour voilà, un mini don aléatoire si vous voulez, sur mon serveur Discord. Donc, à partir du moment où cette vidéo sort, vous avez 72 heures pour participer au giveaway. Et donc, dans 72 heures, à partir de cette vidéo, vous aurez il y aura un gagnant qui sera choisi pour gagner le giveaway. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça va être. J'aimerais bien faire un petit giveaway de 1 frag dice, mais pour l'instant. Je n'ai pas le frag dice, j'ai plus de frag dice, donc si j'arrive à la sortie de la vidéo à avoir un frag dice, ce sera un giveaway d'un frag dice. Sinon, ce sera un giveaway d'un autre truc qui sera aussi sympathique, hein, de la monnaie ou des trucs comme ça. Donc je pense que vous allez être content. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Courage Tuba. Au revoir.